Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Rucher à Pitof 45. Aujourd'hui on va faire petite vidéo sur l'élevage. Donc on va déjà contrôler le greffage qui a été fait il y a J+5. Donc voir si tout a bien été pris et puis on va pouvoir mettre ça en couveuse. Après il y aura une deuxième petite partie au rucher de fécondation où on va introduire des reines. Puis on va peut-être, introduire les cellules royales qui sont prêtes. Qui sont à J+10 voire J+11, et on va contrôler peut-être quelques mini plus, voire la fécondation de quelques reines qui étaient vierges. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble, et c'est parti! On est comme je disais à J+5, donc voilà, J+3 j'avais contrôlé, le greffage était plutôt bon, on va voir s'il a tenu. Donc moi j'en plume pas spécialement. Donc, là il y a un petit peu d'abeilles, je regarde en dessous. Bon, en principe la reine est séparée par une grille à reine. Hop, ça c'était un bout de pâtis protéiné, on va le remettre ici. Donc on va voir si je suis bon au greffage. Vous allez le voir tout de suite. Et voilà. Donc, est-ce qu'on est bon pour les mettre en couveuse? Donc, je ne sais pas si vous voyez, on est à 100%. Elles sont toutes prises. Vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cellules de prise sur cette tournée-là. Donc là, elles sont bien operculées. Là, operculé aussi, il y en a juste une qui n'est pas operculée, donc je ne la garderai pas. Donc on a celle du bout qui n'est pas operculée, donc pour moi je la considère comme non viable. Donc on va pouvoir la mettre en couveuse. Alors comme ce mini plus est très puissante au niveau de la population, je lui avais mis deux cadres. Donc celui-là était un peu moins pris. C'est pareil, j'étais sur la suite du greffage, j'avais pas les larves que je voulais, mais bon, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 larves. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7. 7 de prise, et il y en a une que je vois qui n'est pas encore tout à fait operculé, donc pareil, je ne la garderai pas. Donc là on en a 6, donc on va pouvoir mettre ça en couveuse. On va voir ça ensemble, il n'y a rien de compliqué, mais on va voir ça ensemble. Allez, on se retrouve à mon établi pour remettre ça sur les barrettes. Donc voilà mes petites barrettes qui vont aller dans la couveuse. Déjà ce que je fais, c'est que je vais identifier avec un scotch sur le dessus à quoi correspondent le greffage. Le 20-04, J+10, le 25-04. Donc c'est des cellules que j'introduirai le 25, au pire le 26. Je vais marquer le numéro du lot. C'est le lot numéro 5. Donc l'eau c'est la cinquième tournée de reine que je fais. Et après, rien de compliqué, je prends, voilà, montrer ça,
On voit qu'il y a bien de la gelée dans le fond de la cupule, donc celle-là elle est très bien. Voilà. Hop, donc rien de compliqué, hein. Je les mets sur ma barrette. Hop. Cette barrette là, voilà. Bon, je vais les mettre et puis on va voir au moment que je les mets en couveuse. Allez, à tout de suite. Donc là, on va venir les mettre en couveuse. Vous voyez, il y en a déjà pas mal. Celles du fond vont être à introduire aujourd'hui. Donc on verra ensemble l'introduction de celle-ci. Ça, c'est l'alarme comme quoi que la température baisse. Hop. Et voilà. Donc voilà. Hein. Future reine, Buckfast. Allez, on va pouvoir prendre cette barrette là et on va pouvoir l'emmener au rucher. Allez, à tout de suite au rucher. Donc on va voir sur la numéro 5. Donc numéro 5, en principe c'est... numéro 5. Donc il y a une reine qui avait été vue, donc il y a juste à vérifier s'il y a de la ponte. Donc on va voir ça ensemble. Un petit peu noir. Donc on va contrôler. Donc là il y a un petit peu de réserve. Les abeilles pour regarder, des fois elles sont sur le couvain pour le chauffer, donc là c'est toujours de la réserve. Alors, pour la fécondation hein, des reines, le problème qui peut se poser, c'est au moment du vol de fécondation, il peut lui arriver tout un tas de trucs à la reine. Donc la reine, elle peut très bien se perdre, ne pas retrouver son chemin, ou se tromper carrément de ruche, de mini plus, hein, de fécondation, et du coup, bah, elle se retrouve dans la mauvaise et elle se fait tuer. Ou encore, elle peut être mangée en vol par des oiseaux tout simplement. Donc c'est pour ça que des fois quand on contrôle on n'a pas de ponte et on n'a plus de reine. Donc là j'ai bien l'impression que c'est ce qui est arrivé parce que je vois pas de ponte et elle est censée y être en ponte. Donc pas de reine. Donc ce qui est étonnant c'est qu'elle ne bat pas le rappel, donc je vais refaire juste un contrôle pour bien voir si il y a toujours la présence d'une reine. Ici il n'y a pas de reine, donc on va y mettre
une cellule royale. Je vais aller chercher tout de suite. Hop. Donc on va y mettre une cellule comme ça. Donc là, ça quand même, hein, ça, regardez, hein, les fesses en l'air, ça bat le rappel. Donc ça y est, signe de il n'est plus orpheline. Donc on va le placer où il y a le plus de monde, parce que là, il n'y a plus trop de couvains. On va la placer ici. Hop. Voilà, les centres 2. Tac. Voilà, une introduction standard. Hein. Donc pour celle-ci, c'est bon. Rien de plus à faire.